sommes dans Apocalypse. Chapitre 3. Verset 20. Merci pour ta pensée, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces frères et sœurs qui sont venus de partout, qui sont attirés par toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, chrétiens, vous qui n'êtes pas encore chrétiens, écoutez bien ce qui va être partagé. Ce passage est capital parce qu'il, en fait, c'est la conclusion de cette lettre que Dieu a envoyé aux sept églises. Et c'est important de comprendre. Pour comprendre un message, le message que Dieu donne, il faut saisir l'introduction et aussi la conclusion. D'accord ? L'intro et la conclusion, c'est important. Le développement, oui, c'est important. Mais la conclusion, parce que souvent à la fin du message, c'est là que Dieu, n'est-ce pas, va révéler aussi des mystères cachés. Alors écoutez, ici, bien sûr, c'est Yeshua qui s'adresse à son peuple. Il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Rappelez-vous bien, dans Jean 10, Jésus dit qu'il est la porte des brebis. On entend dans ceux qui sont habitués à méditer la Bible, hein, la parole, les étudiants de la parole de la Bible, les lecteurs de la Bible savent que dans toutes les Écritures, il y a la notion de la porte. Dans Néhémie chapitre 3, lorsque les enfants d'Israël étaient revenus de l'exil babylonien, hein, de l'exil à Babylone, la première chose qu'ils ont faite, selon Néhémie 3, on nous dit que le grand prêtre Éliakim, ainsi que d'autres prêtres, ont restauré la porte, d'accord, des brebis. Ils ont restauré la porte des brebis. C'est important. Yeshua, dans Jean 10, il dit que les mercenaires, les faux prophètes, les antichrists n'entrent pas par la porte, mais ils entrent ailleurs. Donc on s'entend par la fenêtre. Et Yeshua dit dans Jean 10 qu'il est la porte des brebis. Et dans Matthieu 7, il nous dit, entrez par la porte étroite. Donc, les Écritures nous parlent de deux portes. La porte étroite qui conduit à la vie. Et cette porte-là nous amène dans un chemin, hein, donne sur un chemin très, très resserré. D'accord ? Yeshua a dit qu'il se tient à la porte. Écoutez bien l'enseignement, ne laissez personne vous distraire. Il se tient à la porte dans Apocalypse 3. Et il frappe à la porte. Il frappe. Et on apprend ici, n'est-ce pas, dans les Écritures, qu'il y a deux portes. Il y en a une qui est, n'est-ce pas, étroite, qui donne sur le chemin resserré. Et au bout de ce chemin resserré, il y a la vie. Et on apprend que très peu de personnes trouvent cette porte-là. Passe par cette porte. Et pour votre information, on ne peut pas passer par cette porte qui est étroite avec ses bagages. C'est impossible. Et Jésus dit qu'il est cette porte dans Jean 10. Et la porte dont il est question dans Néhémie chapitre 3 avait été restauré prioritairement par
le grand prêtre, parce qu'il ne pouvait pas prétendre restaurer les murailles de Jérusalem, reconstruire le temple de Jérusalem, sans commencer par l'élément le plus important, c'est-à-dire la porte par laquelle passaient, transitaient les brebis destinées, n'est-ce pas, au sacrifice. Parce que sans le sacrifice, à quoi sert un temple? Le sacrifice nous parle du culte, de la relation entre l'homme et Dieu. Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice, vos vies. La porte. Et la deuxième porte, elle est, n'est-ce pas, large. Et elle donne sur un chemin spacieux, très spacieux. Et on apprend qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. Et au bout de ce chemin, il y a la perdition, la damnation. Oui, il y a une vie après la mort, même si vous ne voulez pas le croire. Et comme on le dit souvent, la matière la plus importante de l'univers, c'est la matière noire. Plus de 90%. Vous vous rendez compte? Plus de 90% de la matière qui compose, n'est-ce pas, l'univers, qui fait partie de la composition des matières de l'univers, qui compose l'univers, cette matière-là, 90% est invisible. Pourtant, tous les scientifiques pratiquement sont d'accord qu'elle est, que cette matière-là, invisible, bien qu'étant invisible, existe. Et vous voulez me dire, parce que Dieu est invisible, parce que vous ne le voyez pas, qu'il n'existe pas, comment pouvez-vous croire à l'existence de la matière noire que vous n'avez jamais vu, et en même temps refuser de croire en Dieu parce que vous ne l'avez jamais vu? La nature même nous enseigne. Jésus se tient à la porte. Et il frappe. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Mais quelle porte? En fait, il y a une troisième porte. Les deux premières, devant les deux premières, il y a Yeshua, la porte de droite. Celle de gauche, bien sûr, il y a l'ennemi, le diable. Celle de droite donne accès au ciel. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Jean a eu la grâce de voir cette porte-là. Il dit qu'il a vu une porte dans le ciel. Cette porte-là donne accès au ciel. Oh oui, le ciel existe. Et il y a une seule porte qui conduit à ce lieu. Une seule porte. Et la deuxième porte, par contre, elle donne accès au monde, n'est-ce pas, souterrain, bien sûr spirituellement parlant. Et il est dit dans Éphésiens 4 que Yeshua, après sa mort, il est descendu dans les régions, n'est-ce pas, les plus basses de la terre. C'est-à-dire là où il y a le Sheol en hébreu, là où il y a, n'est-ce pas, l'enfer ou encore le dieu Hadès, ce démon qui collabore avec l'esprit des morts pour empêcher les morts de sortir de cette prison. Oui, il y a un monde souterrain. On était à l'île de la Réunion en mission un jour. Nous avons été appelés en urgence pour aller prier pour une sœur, une dame qui était hospitalisée. Quand on arrive à l'hôpital, elle était choquée. Elle a commencé à nous relater ce qu'elle a vécu. Elle disait qu'elle a fait une crise suite à une colère. Elle avait piqué une crise de colère. Et elle a dit qu'elle est sortie de son corps. Elle s'est vue sortie de son corps, avec son esprit, bien sûr. Et ses enfants ont appelé les pompiers qui sont arrivés, avec Willy, le pasteur qui était là-bas avec nous, qui travaillait là-bas. Je ne sais pas si Willy est là, mon frère Willy. Ok? Donc, tu étais là, tu te rappelles de cette femme? Voilà, on était tous les deux, non? Ok, à l'hôpital. Et cette sœur nous dira qu'elle s'est vue sortir de son corps et elle a vu un tunnel qui descendait sous terre. Et elle roulait comme ça, comme une roue, et elle allait en enfer. Elle a crié, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus délivre-moi.
Et Dieu lui a fait grâce. Le Seigneur l'a sauvé. Et quand elle nous a parlé de sa frère, on sentait la peur. Elle tremblait, elle était saisie de crainte. Il y a deux portes. La deuxième porte, c'est la facilité. Beaucoup de chrétiens veulent les choses facilement. Et comme on le dit souvent, nous sommes dans la génération que j'appelle la génération de McDrive. Tout va vite. Du surgelé, micro-ondes, avions supersoniques, tout va vite. Nous sommes dans un monde tellement globalisé que l'information, mes amis, s'il y a eu un incident ici, ceux qui sont à l'île de la Réunion sont au courant à la seconde. Le monde est devenu un petit village. À cause de l'informatique, à cause de l'internet, à cause de la téléphonie, à cause, bien sûr, de toute de la technologie. Donc, Yeshua n'est plus loin. Frères, sœurs, chrétiens, Jésus n'est pas loin. La deuxième porte, celle qui est, n'est-ce pas, qui est large, est le chemin spacieux. Dans cette porte-là, dans ce chemin, on ne se bouscule pas. On peut rentrer avec ses bagages. Premier bagage, le mensonge. Deuxième, la cupidité. Troisième, le meurtre. Quatrième, l'adultère. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves actuellement. Et on veut justifier le péché par cette super grâce qu'on nous prêche dans nos églises. Dieu est tellement amour qu'il peut comprendre ton péché. La facilité. Tu veux le mari. Toi, ma soeur, tu veux un mari. Eh bien, donne 300 euros. Tu veux la guérison. Donne 500 euros. Oh, tu vas prendre cette bouteille d'huile et l'appliquer sur toi. Tu seras guéri. On veut les choses tout de suite. La facilité. On veut l'argent tout de suite. Des millions tout de suite. Tu peux gagner 1 million tout de suite. Tout va vite. Le divorce, en 1 mois, on divorce. Alors que hier, c'était des années. Tout va vite. Pourquoi? Parce que pour votre information, Satan sait qu'il a très peu de temps, nous dit la parole de Dieu. Il est animé d'une grande colère. Il est descendu sur la terre et il sait qu'il a très peu de temps. Pourquoi? Parce que dans l'horloge de Dieu, les minutes sont comptées. Même la création soupire après le retour de Yeshua. Romain le dit. La facilité. Vous avez vu toute cette jeunesse dans la délinquance aujourd'hui pour avoir l'argent facile? On tue. On pose des bombes. Pour l'argent, facilement, on veut gagner des millions. On revend de la drogue. Beaucoup de jeunes dans les cités revendent de la drogue, détruisent leur avenir. S'il faut même menacer, tuer les autorités, la police, les gendarmes, ils le font. Manquant du respect aux autorités. Pourquoi? Parce qu'ils veulent amasser. Pourquoi faire? Des familles brisées, quand on voit des jeunes de 14 ans qui viennent et qui témoignent, qui nous disent, voilà, 14 ans, ils ont déjà fait la prison, 2, 3 ans de prison. 14 ans, un jeune homme, 16 ans la dernière fois, il disait combien il a touché plus de 100 000 euros parce qu'il revenait de la drogue. Vous vous rendez compte? La facilité. Des jeunes qui ne veulent plus étudier, ils veulent tout de suite avoir beaucoup d'argent. À 16 ans, ils veulent tout de suite gagner des millions. Pourquoi? Voilà le monde dans lequel nous sommes. Influencés par des séries, certaines séries américaines. La richesse, l'Hollywood. Et beaucoup veulent ressembler à ces grandes stars pour avoir de l'argent facilement. Facilement pour épater les autres. Pour éblouir, étonner les autres. Voilà la porte large. Il est dit dans la Bible que l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Voilà ce que la Bible dit. Ce sont les insensés, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Toi qui es né sans cheveux, sans dents, toi qui es né, tu portais les couches.
il fallait une assistance, n'est-ce pas, régulière, qu'on t'assiste régulièrement. Tu vas grandir, tu vas avoir des grands diplômes et tu vas commencer à dire que Dieu n'existait pas. Et te voilà arrivé à un certain âge, tu repars l'enfance. Il te faut des couches parce que tu as, n'est-ce pas, tu souffres d'une incontinence urinaire et les dents commencent à partir, les cheveux commencent à partir. Tu ne vois pas que la boucle est bouclée. C'est pour nous montrer à quel point nous sommes rien. De la poussière. Zéro. Seul Dieu est Dieu. Alléluia. Et Yeshua dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à quelle porte? Il y a une troisième porte. Bien sûr. Il dit, j'entrerai chez toi. Il se tient à la porte de ton cœur. Le cœur est comme une porte qui peut s'ouvrir. Et je suis convaincu que Jésus fait appel à ceux et celles qui se dirigent vers la porte large. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, donc il est question ici d'entendre la voix de Dieu. Dans Jean chapitre 10, le Seigneur disait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Frère, je vais vous dire une chose. Ce message que nous prêchons, nous ne sommes pas les seuls à le prêcher. Je vois des gens qui disent, frère, pendant des années, je n'ai pas voulu écouter ce message. Mais parce que ces hommes et ces femmes sont de Dieu, ils n'ont pas eu le choix. Parce que c'est la voix de Dieu. Et j'insiste, nous ne sommes pas les seuls à prêcher l'évangile. Il y a de plus en plus dans le monde entier des voix qui se lèvent pour annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes que Dieu suscite, frères et sœurs, pour annoncer la repentance, pour annoncer, mes amis, la sanctification, la crainte de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, frères et sœurs, ne peuvent que écouter cette parole parce que c'est Jésus qui parle, frères et sœurs. Je vais vous dire une chose. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Celui qui entend la voix, il est question, il frappe comment? Ben, il parle. Yeshua parle. Yeshua parle. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, dans chaque génération, il y a des voix qui se lèvent. D'accord? Et quand Jean-Baptiste s'est levé comme une voix, on lui pose la question, qui es-tu? Es-tu prophète? Il dit, non. Es-tu le Machia? Il dit, non, je ne le suis pas. Il dit, je ne suis qu'une voix qui crie. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Vous avez vu? Une voix qui crie. Écoutez, je vous dis une chose. Vous n'avez pas encore bien crié. Vous allez crier encore bien comme vous. Vous n'avez pas encore bien crié. Allez dire à un enfant qui vient de naître qu'il ne doit plus crier. Dieu n'est pas selon la sagesse des hommes. Non. Quand l'église est née, les 120 ont crié. J'ai assisté à un accouchement un jour. Le médecin qui est mon ami, qui dirige toute une clinique que le Seigneur lui a donnée, un grand chirurgien en Côte d'Ivoire, il me dit un jour, viens assister. De loin, bien sûr, il fallait opérer cette sœur. J'étais loin, je ne peux pas voir tout ça. Cet ami qui est un prédicateur de la parole, qui craint Dieu, a opéré cette dame avec d'autres médecins qui étaient là. Moi, j'étais là, je regarde de loin. Et il saisit l'enfant avec sa main comme ça, parce que cet enfant ne criait pas. Il a saisi cet enfant, il a secoué comme ça, je dis, mais oh! Mais il va le tuer. Il a secoué la foi, tac, tac, tac. J'étais là, je priais. Et tout le monde a entendu. Nya, 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 nya. La vie. Il y a des gens qui me disent, depuis des années, quand on était à Draveil, mais cet homme ne fait que crier. Il saute, il ne va pas gagner les gens. Je leur ai dit, arrêtez. Celui qui n'a jamais mangé des huîtres, vous pouvez lui parler des huîtres, il ne va pas comprendre les huîtres. Celui qui n'a jamais été au Japon, vous pouvez lui parler, vous savez, Japon, au Japon, il y a tel pont que si le jour où il ira au Japon, il dira, oh, c'est comme ça le Japon.
Quand l'esprit tombe sur vous, là, vous allez crier, même devant les présidents, là, vous allez crier. Frères, sœurs, Jésus suscite des voix de toutes sortes qui doivent crier. Et ne laissez personne vous empêcher de crier. En France, je crierai jusqu'à ce que Dieu dise ta mission est finie. En Europe, je crierai. C'est quoi le cri? Il dit si quelqu'un entend ma voix, frère, il est question de reconnaître la voix de Dieu. Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. J'ai fait les témoins de Jéhovah. J'étais témoin de Jéhovah. Je n'ai pas entendu Jéhovah là-bas parler. J'ai été ailleurs. J'étais baptiste là-bas aussi. Il y a trop la réflexion, trop la cabeza. Intellect. Je suis allé chez les pentecôtistes. Ils sautent toujours. Mais quand Dieu a commencé à me parler, frère, soeur, un jour il m'a appelé, il m'a dit, quoi tout, prêche ma parole. Frère, j'étais dans mon salon, seul, il n'y avait pas de bishop. Il n'y avait pas un grand apôtre, j'étais seul, seul, seul. Et il me dit, prêche ma parole. Je me suis réveillé comme ça, qui m'a parlé ici là? Paul croyait servir Dieu. Il était enseigné, il était au pied de Gamaliel, un grand docteur de la loi. Vous savez, Gamaliel, selon les historiens, Gamaliel, celui qui a formé Paul, c'était un grand docteur. Hein? Gamaliel était le petit-fils d'Hillel. Hillel était un grand enseignant chez les Juifs, à l'époque de Yeshua, même bien avant. Il y avait deux grandes écoles, l'école d'Hillel et l'école de Shammai. Shammai était le plus radical, d'où sortaient justement les zélotes. C'était des violents. Hillel était, n'est-ce pas, modéré. Et Gamaliel était son petit-fils. Donc, il était issu d'une famille, n'est-ce pas, respectée, parce qu'il y avait des grands enseignants, des grands docteurs. Et Paul était formé par Gamaliel. Donc, c'était un érudit. Sa tête était remplie de connaissances. Mais la connaissance sans vie ne sauve personne. Et Paul croyait servir Dieu. Paul pensait connaître, et sur le chemin de Damas, il entend une voix qu'il n'avait jamais entendue, frères et sœurs. Je veux dire à quelqu'un, le jour où tu entendras cette voix-là, ta vie va changer, ta vie sera changée, transformée, ta vie sera complètement impactée. Oh, alléluia! Si quelqu'un entend ma voix, je veux dire à quelqu'un, tout chrétien peut entendre la voix de Dieu. Je ne parle pas de la prophétie par ton pasteur. Hein. Oh, je vois quelqu'un ici avec... Non, c'est pas ça. Oh, Dieu m'a montré ma soeur, tu es sa fille. Non, ça c'est pour confirmer, oui. Mais il faut que Dieu te parle directement, sans passer par les hommes. Il parle comment? Par sa parole. Quand tu médites la parole, il parle à ton esprit. Quand tu pries, il te parle, frère et soeur. Il frappe. Comment? Par les enseignements, par la prédication de l'évangile. Il parle. Si quelqu'un entend ma voix, je vais vous dire une chose. Pour ouvrir la porte, il faut entendre d'abord la voix. Il y en a, ils sont tellement blessés qu'ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils ont tellement été déçus par des chrétiens, rejetés par les hommes, blessés de leur famille. Qu'ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. J'ai prêché la parole à un homme un jour. Il m'a dit, non, moi je ne crois pas en Dieu. Je lui dis pourquoi? Il me dit, si Dieu existait, pourquoi a-t-il permis que cette jeune fille, pourquoi Dieu a permis que cette jeune fille soit écrasée par ce véhicule devant moi? J'entends la voix du Seigneur qui me dit, pose-lui la question. Qui a construit, qui est le constructeur de ce véhicule? Il me dit,
c'est tel constructeur. Je lui dis alors, ce n'est pas Dieu qui doit être blâmé. Ce sont les hommes. Voyez, à cause des blessures, à cause du rejet, à cause de ce que tu as vécu dans ta famille, ce que ton père, ta mère t'ont fait subir, ce que la société te fait subir, ce que les hommes, les autres, tu peux devenir réfractaire à la parole de Dieu. Tu peux fermer ton cœur à cause de ce que tu as vécu dans tes églises, dans vos églises. Vous pouvez ne plus faire confiance à Dieu. Souviens-toi quand tu t'es converti, comment tu craignais Dieu, combien tu priais, tu jeûnais. Si quelqu'un entend ma voix, frère, la Bible dit que Dieu parle. Il est dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre devint informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait pas intervenir tant que Dieu n'avait pas parlé. Là où Dieu parle, quand Dieu parle, il y a une action de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Il est dit dans la Bible que la voix de Dieu fait trembler les montagnes. Or, quand Dieu parle à une nation, la nation est au courant. Et actuellement, mes amis, en Europe, je vous dis de la part du Seigneur, l'Europe entendra parler de ce message, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Vous savez pourquoi Dieu permet à ce que des nations viennent comme ça? Ivoiriens, Antillais, Africains, Européens, Belges, Irlandais, Américains, je ne sais pas. Frère, pourquoi? À Didasco, à l'enseignement biblique cette semaine, je croisais un couple de Polonais, blancs Polonais, qui sont sortis de la Pologne. Et la sœur me disait comment Dieu les a touchés par le message. Comment pendant des années, elle m'a dit pendant des années, je croyais être chrétien. J'ai réalisé que je n'étais pas converti. Je dis, Seigneur, même des Polonais sont touchés comme ça. Frères et sœurs, Jean dit, je ne suis qu'une voix qui crie. Une voix. Et regardez, à minuit, dans Matthieu 25, on nous dit, il se fait entendre une voix. Une voix, un cri. À minuit, on cria, voici l'agneau. Pendant des années, Dieu a frappé à nos portes. Il frappe comment? Il permet aussi des problèmes dans nos vies pour nous interpeller. Oui, ça peut être une maladie, ça peut être un accident. Je ne sais pas ce que vous vivez dans vos vies, dans vos familles. Dieu nous interpelle, Dieu nous attire à lui. Et il est question d'entendre. C'est là que ça coince souvent. C'est là que ça coince. Parfois le discernement nous manque. Parce que la nature de péché, la nature de l'homme prend le dessus. Dieu parle mais on ne discerne pas. Dieu dit dans Ésaïe 65, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai appelé, personne n'a répondu. J'ai vu des gens dire, ah frère, si je savais qu'à l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, que Dieu m'avait parlé, je ne serais pas aujourd'hui dans cet état. Comment Dieu parle alors? Comment Dieu te parle-t-il? Comment? Frères et sœurs, quand Dieu m'a convaincu que je devais abandonner la religion pour le suivre, la religion des hommes, pour le suivre, mais beaucoup, comme vous le savez, m'ont pris pour un fou. Il est devenu fou, m'ont-ils dit. J'ai entendu sa voix, j'ai médité la Bible, j'ai vu
que ce que l'on enseigne dans nos églises, ce qu'on prêche dans nos églises, mes amis, beaucoup de choses que l'on prêche dans nos églises n'ont rien à voir avec la Bible. Je dis, Seigneur, mais je préfère t'obéir. Tu as parlé à mon cœur. J'en ai parlé aux frères et sœurs. Beaucoup ont dit, non, il ne faut pas bouger. J'ai vérifié, j'ai vu que non, aucun apôtre de la Bible n'avait pris la dîme de quelqu'un. Donc, on ne doit plus exiger la dîme. Je dis, Seigneur, c'est fini. Beaucoup ont dit, non, c'est fini. T'es égaré. J'ai dit, Seigneur, je veux t'obéir. J'ai vu dans la Bible de chrétiens suivre Dieu et non les hommes. Frères, sœurs, il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Il frappe par les enseignements. Il frappe par la prédication. Il frappe, il parle par les songes qu'il vous donne. Par les visions nocturnes que vous recevez quand vous dormez profondément. Dieu vous parle. Qu'est-ce qu'il vous a dit chez vous? Qu'est-ce qu'il vous dit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Écoutez ici, frère. On n'a pas dit que si quelqu'un entend la voix d'un pasteur, si quelqu'un entend la voix d'un apôtre. Pendant des années, nous avons suivi des prédicateurs, des gourous, et on a été trompés. L'heure est arrivée enfin où chaque chrétien doit suivre ce que Dieu lui dit chez lui. Obéissez à Dieu et non à ces pasteurs qui vous demandent de l'argent, qui vous imposent la dîme, cet impôt. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas entendu sa voix. Vous comprenez? Pour suivre Jésus, il faut entendre sa voix. Je ne parle pas de ma voix à moi. Je ne te parle pas de moi. D'ailleurs, vous voyez, je me cache de plus en plus. Ah oui? On ne veut pas de problème avec Dieu. Non? Nous ne sommes pas là pour être suivis par vous. Non, vous devez suivre la parole de Dieu. Vous devez obéir au Seigneur. Ce que Dieu vous dit, faites-le. Ce qu'il vous dit pour vos familles, faites-le. Ne faites pas ce que les hommes vous disent, ce que vos pasteurs vous disent, ce que vos apôtres vous disent, vos prophètes vous disent. Ce que Dieu vous dit, ce que la Bible vous dit, frères et sœurs. Voilà ce qu'il faut faire. Si quelqu'un entend ma voix. Et parfois, quand on entend la voix du Seigneur, quand on médite la parole, parfois on a tendance à croire que c'est la chair qui nous parle. Le doute peut venir. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui me parle vraiment? Et parfois quand on parle aux frères et sœurs, aux chrétiens, en disant Dieu m'a parlé, il y en a qui vont avoir des doutes en disant non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Et au lieu d'obéir au Seigneur, on obéit aux hommes. Oh Dieu, sauve-nous. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, et non ouvre la porte, mais m'ouvre la porte. Il est question d'ouvrir la porte à Jésus et non à Satan. Alléluia. Il est question d'ouvrir la porte à Jésus et non à Sora. Non. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Vous avez vu? Tu entends la voix de Dieu, tu ouvres ta porte, tu ouvres ton cœur. Et le Seigneur va entrer. Mais si tu ouvres ton cœur à la voix d'un, mes amis, charlatan, eh bien, s'il entre dans ta maison, il va faire des dégâts. Voilà pourquoi beaucoup de mariages sont brisés par des faux pasteurs. Il y a des chrétiens que je connais qui ont ouvert leur maison aux faux pasteurs parce qu'ils ont écouté leur voix. Et certains parmi ces chrétiens ont connu des problèmes de couple. Parce que des charlatans sont venus chez eux pour leur dire, écoute ma soeur, cet homme n'est pas ton mari, c'est moi ton mari. Mais vous n'avez pas connu des choses comme ça dans les églises, madame? Écoute ma soeur, voilà ce que Dieu m'a montré. Ta mère est sorcière, tu ne dois plus la saluer. Gardez vos oreilles, veillez,
N'écoutez pas n'importe quoi. Alléluia. Je suis allé à Martinique en 2000, pour la première fois, je crois, il y a 14 ans. 13-14 ans. Des chrétiens martiniquais à l'époque avaient ouvert leur cœur, leur porte, aux enseignements d'un faux pasteur. Et vous savez ce qui s'est passé à l'époque, c'était encore le franc français. Ce faux pasteur, c'était une grande assemblée évangélique. Il a commencé à sortir avec plus d'une trentaine de femmes. C'était ses maîtresses. Et on a fait une réunion de réveil dans un hôtel, au Squatch Hotel, pour ceux qui sont de la Martinique. Et beaucoup de ces chrétiens étaient venus. Et on a dénoncé ces pratiques. On a dénoncé ces pratiques avec force. Et il y a certaines femmes qui sont venues me voir avec des documents de banque, des prêts qu'elles avaient faits. Il y en a une qui m'avait choqué. Elle est venue me voir avec un document du prêt qu'elle avait fait pour ce pasteur de 1 million de francs français. 150 000 francs, 150 000 euros. Et ce pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit plusieurs villas. Et à l'heure actuelle, j'ai même vu sa femme, parce qu'il a divorcé avec cette femme, blessée, brisée. Cette femme est venue me voir pour me partager sa souffrance. Ce pasteur, à l'heure actuelle, il continue à diriger son entreprise. Mais il n'a plus le droit d'y aller parce qu'il a fait de la prison. Et à l'heure actuelle, j'ai parlé même avec sa femme, sa fille, sa seule fille, elle me dira, papa est devenu polygame. La polygamie ne concerne pas seulement les Africains, mes frères et sœurs des Antilles. Aux Antilles, au jour d'aujourd'hui, il y a aussi des polygames. Même en France. Le monde est devenu global, globalisé. Le péché se généralise, se transmet. Les cultures, tout ça. Là, c'est sa fille m'a dit, papa a 4 femmes. Et ils vivent tous les 5 sous un même toit. Et ça se passe en Martinique. Il est déjà dénoncé depuis des années là-bas. Alléluia. Vous vous rendez compte? Des gens qui viennent nous témoigner, frère, nous avons ouvert nos oreilles à n'importe quel enseignement, quelle pratique religieuse. Nous nous sommes rendus dans ces assemblées. Il y en a qui disent, nous avions des entreprises. On arrive dans ces assemblées, on nous a dit que des sorciers voulaient nous tuer, qu'il fallait faire des offrandes, comme quelque chose, donner une offrande qui, n'est-ce pas, une offrande spéciale qui nous coûte cher, comme Abraham avait donné Isaac à Dieu. Et il y en a qui m'ont dit, nous avons donné des millions, et aujourd'hui, nos entreprises sont en faillite. Frères et sœurs, la conclusion de cette lettre adressée aux sept églises est dramatique. Le Seigneur, notre Dieu, Jésus de Nazareth, se trouve en dehors de la majorité de nos assemblées, pour votre information. Franchement, soyez sincères, soyons sincères. Les conversions authentiques dont parlent les Écritures, où sont-elles? Des baptêmes authentiques. Aujourd'hui, pour recevoir un baptême, il faut payer. Dans beaucoup d'assemblées. Dieu pleure. Dieu pleure. On vous dit, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, il ne faut pas travailler. Mais si vous ne travaillez pas, comment allez-vous vivre? Alléluia. Vous êtes chrétien? Le dimanche, vous fraudez dans le train, dans le métro. Oh non, Dieu va comprendre. Alléluia. Vous êtes chrétien? Écoutez-moi, les parents chrétiens ici. Vous êtes chrétien? Vos enfants vont brûler les véhicules dehors. Vos enfants vont manquer du respect aux aînés, aux autorités, chrétiens.
Jésus pleure. Il frappe à la porte. Si quelqu'un, il n'a pas dit si des milliers de personnes entendent ma voix, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Ce que Dieu veut, il veut simplement entrer. Il veut entrer. Mais il faut ouvrir la porte. Et il dit, je souperai avec lui. Il n'a pas dit, je souperai avec eux, avec lui. Dieu veut une relation entre lui et toi. Sans passer par ton pasteur. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin d'être chapeauté par un pasteur. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, Chora n'est pas le médiateur entre toi et Dieu. Arrête de le consulter tout le temps. Va vers Jésus. Consulte ta Bible. Amen. Qui veut faire cela? On va voir à la fin si tu vas venir me voir. Il n'y a pas de queue là, c'est fini ça. Je vois les mêmes visages toujours. Vous n'êtes pas fatigués? Toujours les mêmes problèmes. Oh, j'ai encore mal dormi. Débrouillez-vous. Alléluia. On acclame Jésus de Nazareth. Et moi, quand je dors mal, est-ce que je viens te voir? Alors, oh frère, encore ce soir, j'ai vu un chat qui est venu. Laisse les chats tranquilles là. Laisse les chats tranquilles. Toi, va vers Dieu. Qui frappe à ta porte? À qui dois-tu ouvrir ta porte? Qui veut manger avec toi? Qui veut souper avec toi? Qui? Ben alors, tu as vu, c'est lui mon pasteur. Moi, ton pasteur, tu n'as pas compris. Non, je ne suis pas ton pasteur. Moi-même, je veux me sauver. Je cherche mon salut. Et toi, tu veux maintenant que je te sauve? Comment? Alléluia! Frère, souper, qui veut souper avec Jésus? Qui? Alléluia! Et lui avec moi, Dieu nous a donné le pouvoir. Mais tous les chrétiens, voici, n'est-ce pas, les miracles qui accompagneront Chora. Les grands pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront. Qui? Qui? Ceux qui auront cru. Qui a cru en Jésus ici? Ben alors, tu es chrétienne, ma soeur? Oui. Depuis combien de temps? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais tu as reçu ce pouvoir aussi, tu ne le savais pas? Non. Waouh! Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches que si tu es chrétienne, tu as reçu aussi le pouvoir. Arrête d'aller voir les pasteurs, les prophètes. Va vers Dieu désormais. Chez toi, prie, Dieu te parlera. Amen. T'appelons. Voilà la parole de Dieu, frères et sœurs. On acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse les pasteurs tranquilles. Dis à ton voisin, laisse les pasteurs tranquilles. Amen. Qui a reçu le pouvoir ici? Gloire à Dieu. Voici les miracles qui accompagneront. Le Seigneur a dit, il frappe à ta porte. Pendant des années, vous êtes restés assis dans vos bâtiments d'église. Vous n'avez pas l'impression que vos vêtements là, tout ça là, sont collés avec la glu 3, hein, sur les chaises là. Quand vous vous levez avec les chaises. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes assis en permanence? Dis à ton voisin, il est temps de te lever maintenant. Il est temps de servir Dieu correctement. Vous connaîtrez la vérité.
et la vérité. Au nom de... Au nom de... C'est ça la parole. C'est ça l'évangile. Si quelqu'un entend la voix, je veux dire à quelqu'un, ne cherche pas à devenir chrétien de manière charnelle. Tu ne pourras pas. C'est impossible. C'est impossible de craindre Dieu sans l'aide de son esprit. C'est impossible. La colère qui t'anime, tu ne peux pas t'en débarrasser si Dieu ne t'aide pas. Ton caractère mauvais, ton caractère acariâtre, ton caractère irascible, tu ne peux pas le changer si Dieu ne t'aide pas. Tu dois d'abord entendre sa voix. En fait, tu es devenu chrétien par rapport à qui, par rapport à quoi? Tu te dis chrétien alors que tu es en train de manger du regard les femmes d'autrui? Tu penses que Dieu ne te voit pas quand tu te mets à convoiter cette femme? Tu es devenu chrétien par rapport à quoi? Parce que tu as des attaques nocturnes. Mais le jour où tu n'auras plus d'attaque, tu ne vas plus prier. On est devenu chrétien parce qu'on a reçu l'appel. Parce qu'on a entendu Dieu nous parler. Dieu nous appelait. Et si quelqu'un a entendu la voix de Dieu, quoi que les gens disent, il ne baissera pas les bras. Même s'il baisse les bras aujourd'hui, demain Dieu va le relever. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu, frères et sœurs. Alléluia! Quelqu'un a dit, les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons entendues et vues. Frère, ce que j'ai vu au ciel, tu peux me dire tout ce que tu veux. J'ai vu. Ce que j'ai entendu la voix de Jésus, frère. Sa voix est mélodieuse. Sa voix... C'est comme des tonnerres en même temps. Quand il parle, les cieux tremblent, frères et sœurs. Quand Jésus parle, frères et sœurs, la création est à genoux. Regardez. Un centenier, un officier de l'armée romaine qui avait sous ses ordres 100 soldats. Luc 7 nous dit que cet homme avait un serviteur auquel il était très attaché. Ce serviteur était très malade. Il envoie les anciens des Juifs pour dire à Yeshua de venir chez lui pour guérir cet homme. Et Jésus allait vers chez lui, allait chez cet homme, effectivement, pour prier pour son serviteur. Et cet homme, ce centenier, envoie une deuxième délégation vers Jésus pour lui dire, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Car moi qui suis sous les ordres des supérieurs, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Fais ceci, il le fait. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Frère, Dieu n'a pas besoin de trop parler pour qu'il y ait le réveil. Non. Jésus m'a dit, ce réveil va toucher les nations. Il m'a dit qu'il va réveiller son peuple. Il m'a dit qu'il va réveiller ses serviteurs, ses servantes. Il m'a dit qu'il va réveiller ses guerriers, ses guerrières. Il m'a dit qu'il va réveiller les hommes et les femmes qui sont parfois négligés, qui sont déconsidérés. Ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu va utiliser pour amener le feu du réveil. Frères et sœurs, frère, Dieu est en train de parler. Tu n'as pas compris? Tu ne voulais pas être là, mais tu es là. Pourquoi? Pose-toi la question. Si tu avais écouté les hommes qui dénigrent cette parole, tu ne serais pas venu. Mais parce que tu es de la semence d'Abraham, tu es de la semence de David, parce que tu es de la semence d'Élisée, Dieu t'a parlé et tu as écouté sa voix. Frère, je vous dis une chose. Vous savez que il y a tellement de détracteurs qui veulent casser cet évangile, mais ils ne pourront pas. Si Dieu ne parle pas, vous ne serez pas là. Mais parce que Dieu vous parle en songe, en vision,
il vous parle par des convictions. Vous savez que c'est la parole. Vous savez que c'est ça l'évangile. Vous n'avez pas le choix. C'est ça l'évangile. Dieu t'a parlé. Et pourquoi Dieu t'a-t-il parlé? S'il t'a parlé, c'est parce qu'il veut faire une œuvre avec toi. Parce qu'il veut souper avec toi. Parce qu'il veut manger avec toi. Parce qu'il veut marcher avec toi. Il veut parler. Pourquoi? Il y a des âmes à sauver. Il y a des peuples à libérer. Il y a des villes à libérer. Frères et sœurs, au nom de Yeshua. Parce que Yeshua revient. Et il est en train de parler. Il est en train de parler à ton cœur. Regardez bien. Depuis quelques années, dans les nations, il y a des gens, des chrétiens, qui ne nous connaissent pas. Mais ils ont reçu les mêmes messages que nous. Ils ont reçu l'enseignement sur la repentance. Sur que les gens doivent se repentir parce que Yeshua revient. Ils ont reçu l'enseignement comme quoi la dîme c'était la loi. Il ne faut plus la payer. Ils ont reçu l'enseignement comme quoi il y a un seul véritable pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont reçu des enseignements comme quoi il faut la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Frères et sœurs, beaucoup ont reçu ces choses-là. Mais ils pensaient être rebelles. Ils pensaient être égarés. Mais quand ils ont entendu ce message ici et là, ils ont eu des confirmations. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu parle à vos cœurs, frères et sœurs. Et c'est quoi le message? Ce n'est pas la prospérité financière. Ce n'est pas, oui, viens à Jésus, tu as des belles voitures. C'est pas ça le message, frère. C'est quoi le message, frère? C'est quoi le message? Prépare-toi à la rencontre de l'époux. Prépare-toi à la rencontre du Machia. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est quoi le message? C'est de dire aux autorités, oui, l'homme sur la cuisse duquel est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs est en train de revenir. Alléluia! C'est quoi le message, frère? Tu auras une belle Porsche? C'est pas ça l'évangile. Tu auras costume et cravate? C'est pas ça le message. Frère, c'est quoi le message? Viens recevoir l'imposition des mains pour être délivré. C'est pas ça le message, frères et sœurs. Le message, c'est quoi? Viens! Viens! Ouh! Viens au royaume de Dieu. Viens recevoir, mes amis, recevoir la parole. La parole qui doit changer ton cœur, qui doit changer ton âme, qui doit changer ton intérieur, qui doit changer ta destinée, changer ta vision des choses. L'évangile. Et c'est quoi? La mort et la résurrection de Yeshua. Frères et sœurs, vous ne voyez pas que Yeshua revient? Vous ne sentez pas que la création soupire après son retour? Vous ne sentez pas que les nations sentent que Jésus revient, mes amis? Regardez, beaucoup de païens sont prêts à donner leur vie à Jésus. Beaucoup d'inconvertis se rendent compte que le monde va mal. Le seul sauveur que nous attendons, c'est Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Non, Jésus n'est pas là pour te mettre de la pression. Il ne te force pas à la conversion. Il ne te demande pas d'aller poser des bombes. Non, ce n'est pas ça Jésus. Il ne te demande pas d'aller manquer du respect au président. Ça, ce n'est pas Jésus, frère. Il ne te demande pas d'aller manquer du respect aux policiers, aux gendarmes. Ça, ce n'est pas Jésus. Jésus te dit, frère, aime ton prochain comme toi-même. Jésus te dit, allez, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà le message, frères et sœurs. Alléluia! Waouh! Dis à ton voisin, il revient. Il revient. Le maître revient. Les anges sont excités parce qu'ils savent que l'heure de l'enlèvement arrive. La septième trompette va retentir et des chrétiens du monde entier vont quitter la terre vers le ciel à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi le temps de la repentance est arrivé. Nous devons nous purifier de toutes les pensées impures. Nous devons nous débarrasser, mes amis, de la rébellion. Nous devons nous débarrasser du péché, frères et sœurs. Le temps de la repentance est arrivé. La sanctification. Il revient chercher un peuple saint, car il est saint. Il est saint. Il est saint. Il y a un petit groupe, un groupe d'hommes et femmes qui constituent la véritable église. Elle est composée, cette église, de blancs, de noirs, des jeunes, d'Africains, d'Antillais, Américains, Asie, tout ça. Des hommes et des femmes indiens, métis, arabes, qui ont donné leur cœur à Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, regardez bien. C'est comme l'arche de Noé. La porte est ouverte. Et je vois des gens entrer dans l'arche. Jésus de Nazareth. Je vois des foules entrer. Je vois des hommes entrer. Je vois des familles entrer. Je vois des enfants entrer, frères et sœurs. Parce qu'ils ont entendu la voix. Et il y en a qui veulent les distraire pour ne pas qu'ils entrent. Mais ils leur disent,
Laissez-nous entrer. Nous avons reçu l'appel de Dieu. Nous avons reçu le message du temps. Nous avons reçu l'évangile. L'évangile, 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 l'évangile. Laissez-le, laissez-le. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Le réveil des aigles, le réveil des agneaux de Dieu, le réveil de l'épouse. L'heure est arrivée enfin. L'heure est arrivée enfin. On ne peut plus vous empêcher de sortir de Babylone, de sortir du péché, de sortir. C'est la sortie de l'Égypte. Les pharaons vous lâchent. Les pharaons ne pourront plus vous contrôler. Les pharaons modernes, ces hommes qui prêchent un faux évangile, ne pourront plus vous empêcher d'aller vers le Seigneur. Ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront pas vous détruire. Ils ne pourront pas vous vaincre, car Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur son peuple. Dieu brise la malédiction sur vous. Dieu brise les paroles de condamnation. Et personne ne peut détruire l'église que Jésus a bâtie. Les chrétiens authentiques ne sont pas possédés par les démons. Ils sont remplis du Saint-Esprit pour servir le Seigneur de gloire en gloire, de victoire en victoire, avec le feu de l'Esprit. Sortez des dominations, sortez mon peuple, sortez, 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 sortez. Sortez des dénominations. Sortez mon peuple. Sortez, sortez. C'est la sortie. Je vois un peuple de foule d'hommes et femmes, de foule de gens marchant dans le désert, suivant Jésus, marchant derrière Jésus. Je vois le Seigneur de gloire assis sur son cheval blanc et l'armée d'hommes et femmes. Qui sont ces hommes et ces femmes sont amoureux de la parole, amoureux de Jésus de Nazareth. Avec la trompette, je me suis levé avec la trompette et je sonne. Je sonne. Je sonne. Je sonne la trompette. Je sors. Je sors. Je sonne. 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 Je chacun à son tour. Je sonne. Chacune à son tour. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Chacune à son tour. La Bible nous dit l'Esprit de Dieu est l'Esprit, pas l'Esprit de confusion. Délivrez les choses calmement. Écoutez, s'il vous plaît, il est Dieu. Écoutez, 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 il est Dieu. Écoutez. Ah, écoutez, 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 écoutez. C'est bon, Julien. Shema Israël. Écoute Israël. Adonai Elurenu, Adonai Echad. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Dieu parle. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle à nos cœurs. Dieu parle à nos vies.
n'allez plus courir, ne courez plus après les hommes, ni après nous. Dans vos maisons, commencez à mettre en place des réunions de prière avec vos maris, vos femmes, vos enfants. Commencez à chercher Dieu en méditant sa parole et appliquez ces choses que vous méditez, que vous lisez. Vivez l'évangile. Arrêtez de croire que seuls ceux qui prêchent ont l'onction ou l'autorité sur, n'est-ce pas, le péché, la maladie, les démons. Si vous êtes chrétien, croyant, croyante, et que vous marchez avec la parole de Dieu, vous avez l'autorité de Christ. Il est temps que vous compreniez ces choses. Il est temps qu'il y ait, n'est-ce pas, une prise de conscience, que vous compreniez qui vous êtes dans le royaume de Dieu. Votre, n'est-ce pas, vous devez comprendre, connaître votre identité dans le royaume de Dieu. Assis sur son trône, il règne à jamais. Assis sur son trône, il règne. Dieu parle à ton cœur depuis des années. Et tu commences, il y en a qui commencent à le réaliser. Que pendant des années, ils ont couru après les hommes et ils n'ont rien eu. Et l'heure est arrivée enfin d'aller vers le Seigneur, de chercher Dieu. Commencez à prier pour vos pays, pour vos villes, vos quartiers, pour vos parents, pour vos enfants, afin qu'ils entendent à leur tour aussi la voix de Dieu. Cette voix qui parle au cœur, qui parle à l'âme. La parole. Parce que si tu pries, parce qu'un homme t'a demandé de le faire, un temps viendra où tu ne le feras plus, tu ne prieras plus. Mais si tu pries parce que Dieu t'a directement parlé, sans passer par les hommes, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que les gens disent, tu ne baisseras jamais les bras. D'accord? Et je veux vous dire que les temps qui arrivent seront terribles. Même pour les nations. Des temps de crise, d'angoisse, de souffrance. De plus en plus, des chrétiens véritables seront éprouvés. Dieu permet ces épreuves pour nous préparer à son retour. Il est en train de nous épurer, de nous purifier, de nous nettoyer, nous sanctifier pour son œuvre, de nous séparer. Il est temps, ma sœur, mon frère, que tu te mettes à part définitivement pour ton Dieu. Ne cherche pas à ce que les gens te comprennent. Si tu veux que tout le monde t'acclame, que tout le monde te comprenne, tu vas être déçu. Tu seras blessé. Tu dois comprendre que tu ne seras pas forcément aimé, accepté. Et tu dois suivre et obéir. Suivre la voie que Dieu a tracée pour toi. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur frappe à ta porte. Tu t'es dit à cause des blessures, je ne veux plus prier, je ne veux plus méditer la Bible. Tu es comme le fils prodigue. Dieu te dit, mon enfant, reviens à la maison. L'heure du retour à la maison arrive pour toi. Il est temps maintenant que tu te mettes à part pour Dieu. Nous l'avons chassé de nos églises. Nous avons chassé Dieu. Nous l'avons remplacé par l'argent, le Dieu mammon, par l'évangile de la prospérité. Au lieu de nous parler du ciel, de la nouvelle Jérusalem, tout ça, de l'enlèvement de l'église, on nous parle du matériel. On nous parle de l'argent. Mes amis, qu'est-ce que l'argent? Si ce n'est que du papier, on doit nous prêcher sur l'amour de Dieu, sur Yeshua, le ciel, la nouvelle Jérusalem. On doit nous avertir que l'enfer existe. On doit nous préparer. Il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans l'orgueil par rapport à la connaissance. Ils vont faire des recherches sur Internet ici et là pour avoir la connaissance, pour parler l'hébreu. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ils n'ont rien compris. La séduction. La séduction.
Nous sommes dans un temps de séduction. Beaucoup sont séduits. Beaucoup pensent séduire les autres par la connaissance. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est la relation entre l'homme et Dieu. C'est être en relation avec le Seigneur, connaître son Dieu, marcher avec son Dieu. Ne te laisse plus séduire par le mouvement de groupe, par les groupes, par des voisins. Laisse l'Esprit de Dieu conduire ta vie personnellement. Et si Dieu n'a pas mis une conviction dans ton cœur par rapport à quelque chose, ne le fais pas pour faire plaisir aux hommes. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu et chercher à plaire à Dieu et Dieu seul. Il frappe à la porte. Il y en a qui ne l'ont pas encore reçu. D'autres ont ouvert la porte à moitié. Le Seigneur veut rentrer totalement dans ta vie. Il veut que tu lui abandonnes ta vie, que tu laisses cette place que tu occupes afin qu'il puisse diriger ta vie. Laisse toute cette place à Dieu et viens, viens. Viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Ne cherche plus à savoir, oui, c'est quoi ton appel, c'est quoi mon ministère. Mais on n'en est plus là, frère. On n'en est plus là. Cherche à savoir si tu plais à Dieu, si tu es avec le Seigneur, si Dieu marche avec toi. C'est ça le plus important. Alléluia. Il frappe à la porte. Ceux et celles qui veulent recevoir le baptême aujourd'hui même, venez. Assis sur. Oh Dieu est amour. Oh Dieu est bon. Deux piscines en haut pour les baptêmes. Magnifique le Seigneur. Alléluia, Dieu est bon. Mes amis, regardez l'œuvre que Dieu fait. Waouh. Merci. Waouh. Il est glorieux, frère. Il est magnifique, mes amis. Alléluia. Assis sur son trône.
baptême. Suivez Karine là-bas. La sœur qui est là-bas. Suivez-la pour le baptême. Wow. Alléluia. Dieu est bon. C'est une belle œuvre que Dieu fait au milieu de son peuple. Ceux et celles qui veulent donner leur vie à Jésus, qui veulent se convertir à l'évangile, à Christ, venez. Recevoir la vie éternelle, c'est gratuit. C'est gratuit. Alléluia. On acclame Dieu pour leur vie. C'est magnifique. Venez recevoir la vie. Jésus sauve, regardez-moi ça, mes amis. Regardez-moi l'œuvre du Père. Waouh. 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 Magnifique, magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique. Au ciel, il y a une grande joie. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Vous êtes heureux, heureuse, bénis. Waouh. Waouh. Gloire à Jésus. Les sœurs vont prier pour elles. Ne vous inquiétez pas. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire. Vos noms sont écrits maintenant dans le livre de vie. Il y en a parmi vous que Dieu guérit, que Dieu délivre des possessions, la possession démoniaque maintenant dans le nom de Jésus.
Que les esprits impurs vous quittent maintenant. Au nom de Yeshua. Sortez de ce corps maintenant. Sortez. Esprit de mort que je vois ici. Quitte ce corps au nom de Yeshua. Quitte ce corps au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour la délivrance que tu accordes à cette personne. Merci pour la délivrance au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sors d'elle. Aide-la. Aide-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus. Quitte-la. 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 On veut la sacrifier. Un membre de sa famille. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur, mes amis. Tu ne reviens plus dans sa vie. Tu ne reviens plus jamais. Plus jamais. Oh Dieu d'Israël. La puissance de la séduction. Quitte ta vie. Je parle à quelqu'un d'autre ici, au nom de Yeshua. Que cet esprit qui te pousse à chercher à te plaire, qui te pousse à chercher à plaire aux autres, parce que tu es beaucoup déçu, beaucoup blessé, le Seigneur te libère de cela maintenant, au nom de Yeshua. Il te libère de cela maintenant, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, tu sors de là. Tu sors de là, au nom de Yeshua. Jesus. Quelqu'un est captif, quelqu'un est attaché avec des chaînes ici. Pendant au moins 10 ans, 10 ans d'enchaînement, 10 ans de prison, 10 ans de problèmes, 10 ans de confusion. Le Seigneur t'aime, n'est-ce pas qu'il t'aime? Oui, le Seigneur t'aime. Tu voulais savoir si Dieu t'aimait, le Seigneur t'aime. Il te dit qu'il t'aime. Oui, il t'aime le Seigneur. Il veut que tu marches avec lui désormais, que tu marches selon sa parole, que tu fasses confiance à son esprit qui désormais va te conduire, va te guider au nom de Yeshua. Oui, Dieu désormais est ton Père. Oui, Dieu va guérir ton cœur. L'amour du Père vient sur toi. Oui, au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Femme, voilà ton jour de guérison, de délivrance, de restauration. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Père, merci pour ta fidélité au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Toi qui es là, tu souffres pour tes parents, tu pries pour tes parents, tu pries pour que le Seigneur libère tes parents. Que le Seigneur libère tes parents. Jeune fille, voici la main de Dieu sur toi. Toi qui pleures, toi qui souffres, tu es venu de loin, tu es venu, Dieu t'a attiré ici. Voilà, la main de Dieu sur toi. Dieu guérit tes parents, Dieu délivre tes parents. Au nom de Yeshua, oh alléluia, voici ton jour. Au nom de Yeshua, oh alléluia. Dieu t'aime jeune homme. Dieu voit tes combats, Dieu voit tes luttes. Dieu t'aime comme un homme, n'est-ce pas, aime son fils. Le Seigneur te dit que désormais tu vas témoigner de lui partout au nom de Yeshua. Les gens ne vont plus te reconnaître. Tu iras de cité en cité pour témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes problèmes. Dieu voit tous les soucis que tu as. Tu ne comprends pas pourquoi tu souffres. Pourquoi toi? Pourquoi ta famille? Dieu te dit, c'est moi qui t'ai attiré ici pour te dire que je t'aime. Je t'aime. Et Dieu te guérit. Te libère de toute forme de maladie, de dépendance au péché. Et aujourd'hui, tu deviens un nouvel homme au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Dieu d'Israël. Une personne ici que Dieu guérit d'un problème de prostate. La prostate te fait souffrir. Et des guérisons que Dieu accorde ici au nom de Yeshua. Une personne souffre d'une maladie de sang. On t'a condamné, le Seigneur pose sa main sur ta vie. Au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Merveilleux Seigneur, merci pour ta parole qui nous a franchis. Vous appartenez désormais au Seigneur, au nom de Yeshua. Et vous allez marcher avec le Seigneur, il va marcher avec vous. Il va vous précéder désormais au nom de Yeshua, alléluia. Oh. Wow. Wow. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Alléluia.
Tu veux confesser les avortements? Oui, j'ai fait depuis quand j'étais à l'âge de 20 ans avec mon mari. J'ai fait deux fois. Et comme je ne savais pas, j'ai prié avec mon Dieu, mais j'attendais pour... Ok. C'est bien, c'est bien. Elle confesse ses péchés, notamment les avortements. Que Dieu te garde. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. C'est quoi le problème? Tu es venu d'Allemagne, oui? Mm-hmm. Ma famille et moi-même. D'accord. Et ma fille au pays. Moi-même, c'est ton papa. Je suis bloqué pour toi. Tu es baptisé? Je suis baptisé. Mm-hmm. À l'église protestante. Je suis de l'église catholique. D'accord. Tu peux prier pour elle? Merci. Oh Seigneur, merci. Là où tu as mal, tu peux simplement le toucher. Là où tu as mal. Seigneur, nous commandons à toutes sortes de maladies, à toutes les maladies, de quitter ces corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Moi, je vais monter les gammes. Merci, Loïc. Si tu reçois la guérison, tu peux lever simplement ta main. Au nom de Yeshua. Parce que je sais que Dieu guérit là, à l'instant. Au nom de Yeshua. Alléluia. Dieu t'a guéri, ma soeur. Tu peux venir. On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. 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 Oui, Julien, on donne le micro. Alléluia. Il t'a guéri de quoi, le Seigneur? Tu souffrais du dos. Du dos. En venant ici, tu avais mal au dos. Ouais. Depuis combien d'années tu souffres? Tu souffrais de ce dos? Depuis 2001. 2001. Et là, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien. T'as plus mal? Non. Est-ce que tu peux courir pour nous montrer vraiment que tout va bien là? On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Waouh! Waouh! Dieu est magnifique. 13 ans de douleur du dos. Il n'y a plus rien, mais tu peux retourner t'asseoir. Et c'est gratuit au nom de Yeshua. Wow. C'est magnifique. Il y a des guérisons. Il n'y a pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'on te touche. C'est ta foi. C'est entre toi et Dieu. Qui d'autre a reçu une guérison ici? Viens, ma soeur. On acclame le Seigneur pour elle aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus guérit. Des mouvements que tu ne pouvais plus faire. Il y a des guérisons qui sont accordées là, là, à l'instant. Alléluia. Il t'a guéri de quoi, le Seigneur? Non, c'est vraiment du français. Hablo español. Nous parlons français, espagnol. Yo era una mujer que tenía como un cáncer. Je suis une femme qui avait un cancer. Y los médicos me dijeron que era estéril. Et les médecins me disaient que j'étais stérile. Pero me tenía unos dolores aquí abajo en las costillas. Ah, j'ai pas compris. Tenía unos dolores abajo de las costillas. Ah, elle avait des douleurs dans le bas ventre, sous les côtes. Así en un cercle. Elle était comme encerclée. Y el Señor no me ha dado un hijo. Et le Seigneur lui a donné un fils. No me ha dado uno. Il lui a pas donné un seul. M'a dado cinco. Il m'en a donné cinq. Pero pas cesárea. Par césarienne. Pero lo que tenía aquí. Mais j'avais quelque chose dans le ventre. Y lo vi de Shora por la televisión, que Dios lo bendiga. Et j'ai vu Shora dans une émission, que Dieu le bénisse. Y de verdad. Et de verdad.
et de la part de enfin, en vérité. Se lo digo. Ce qu'il a dit. Lo que dice este hombre. Ce que dit cet homme. Es verdad. C'est la vérité. Porque yo hacía mucho tiempo. Parce que moi je l'ai vu plusieurs fois. Señor, manda un hombre. J'ai demandé plusieurs fois al Señor. Au Seigneur. Señor. Seigneur. Manda un hombre. Manda un hombre. Envoie un homme. Envoie un homme. Pour que diga la verdad. Qui dit la vérité, qui dira ya estoy la vérité. Harta de dire en iglesia, iglesia, iglesia. Je suis partie d'église en église. Y siempre los mismos pastores, dinero, dinero, que es verdad et lo que dice. C'était tout le temps les mêmes pasteurs. Y además, l'argent, l'argent, l'argent. Y lo que decía, había un hombre. Pardon. Il n'y a pas quelqu'un qui parle couramment espagnol ici. Gloire à Dieu. Viens nous aider, ma soeur. Merci. Ok. Ok, ils sont... Okay. Merci. Ouais, il est... Comme ils sont ensemble. Ok. Voilà. Bonjour. Lo que estaba diciendo, perdóname. Ce que j'étais en train de dire, je vous demande pardon. Es que tenía un dolor fuerte aquí en el costado. J'avais une douleur très forte sur le côté. Hace lo menos una semana. Et ça fait une semaine. Que me dolía fuerte. Que j'avais cette douleur très forte. Y me escondía. Et je me cachais. De mi compañero. De mon compagnon. Para que no me viera llorar. Pour que lui ne voit pas que je pleurais. Y delante de mis hijos también. Et aussi devant mes enfants. Y me dijo así, te llevo al hospital. Et mon compagnon me disait, je t'emmène à l'hôpital. Digo, no tengo falta de médicos. Et moi je lui disais, non, j'ai pas besoin de médecin. Y algún día, et un jour, video para la televisión, à la télé, j'ai vu le frère Chora. No porque el Chora, no. Non pas parce que c'est lui. Lo que tiene dentro de él. Mais ce qu'il a en lui. Y lo que tiene dentro de él, et ce qu'il a en lui, Dios lo hace vivir. Dieu le fait, Dieu agit. Y una mañana lo puje. Et un matin, je regardais. Il dit une vez, et lui, il a dit, si, te dueles a un sitio, si t'as mal quelque part, pon tu mano. Mets ta main. Yo no vi de el hombre. Moi, je n'ai pas vu le frère Chora. Yo vi de Dios. Mais j'ai vu le Seigneur à travers lui. Y puje la mano. Et j'ai mis ma main. Pero como dicho, también a través la predicación, et comme il a dit à travers la parole, decía, dites, decía, il disait, ne dites pas que c'est moi, mais dites que c'est le Seigneur qui vous a guéri. Et j'avais un peu de temps, j'avais un peu de douleur. Et j'allais partout dans les églises, pas pour recevoir un miracle, parce que le miracle j'ai reçu déjà dans mon cœur. Et ce que je disais moi, j'étais dans beaucoup d'églises et j'étais dans une église et dans cette église j'étais bien. Ça paraît que j'étais bien. Et vous savez ce qu'il faisait ce serviteur? Je vous demande pardon pour la parole. C'est pas moi, mais c'est le don que le Seigneur a mis en moi. Et il faisait comme Chora faisait. Il faisait comme le Chora faisait. Et lui se levait et il fallait que j'étais derrière lui. Et le Seigneur me disait, il faut que dis-lui ceci, cela. Mais c'est le Seigneur qui me parlait. Et ce serviteur a abusé de moi. Parce qu'il disait, comme lui disait, parce qu'il m'a touché lorsqu'il a dit cela. Il disait parce que c'était ma femme. Et moi j'étais perdu. Je vous demande pardon, je suis un peu long. Mais je dis ce qu'il m'a fait comprendre à travers la parole, parce que ça m'a libéré. Cette douleur, je ne l'ai plus. Amen. Je remercie Amen. Le Seigneur. Et ce que faisait ce serviteur, parce que le Seigneur me révélait beaucoup de choses. Et je disais aux soeurs, il y a telle chose, telle chose, telle chose.
Et eux, ils étaient étonnés. J'étais au voir le serviteur. Et le serviteur me disait, il ne faut pas dire comme cela. Lorsque tu as une révélation, viens me le dire à moi. Et moi j'étais étonné, donc le Seigneur ne vit pas en toi. Et là j'ai eu peur. Parce qu'il m'a dit seulement une parole. Que tu seras mon épouse. Mais lui il est marié. Et aujourd'hui, je dis à mon compagnon. Je lui ai dit à mon compagnon. Et le serviteur le rendait aveugle à mon compagnon. Parce que mon compagnon servait Dieu avec lui, il allait partout. Et moi j'étais fâché avec lui parce que lui ne voyait rien. Parce que lui pensait, parce que j'étais avec un noir. Ou genre de couleur comme vous dites. Mais moi je ne regardais pas cela. Et le serviteur un jour il est venu vers moi. Je dois te tuer. Je dois te tuer. Et je suis parti chez moi en partant. Et depuis cela, je suis dans une église des Roms. Ils ont comme des voiles sur le visage. Ils ne voient rien. Ce n'est pas leur faute. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'argent. Mais l'argent, lui, il s'en va, il revient. Mais ton âme, où il va? Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Parce que réellement, il y a un véritable homme de Dieu qui dit la vérité. Et je remercie le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Bon courage. Wow. Amenez les Bibles, s'il vous plaît. Ceux qui ont déjà reçu des Bibles le 19 ou à Évry, s'il vous plaît, il n'y en a pas assez aujourd'hui. Ne reprenez pas un autre exemplaire, même pour vos familles, s'il vous plaît. Nous sommes chrétiens, nous voulons craindre Dieu. Le 19, on m'a dit qu'il y a une femme qui avait une poussette et elle a pris 6 Bibles pour elle. Ce n'est pas correct. On ne peut pas se dire chrétien et mentir. Non. Donc, j'arrive. On va lever les mains, vous qui n'avez pas de Bible, et les frères vont passer pour vous donner un exemplaire. Et regardez les visages. Il y a des gens qui ont reçu leur Bible. À une dame à qui j'ai pris la Bible, c'est qui? Elle est là, la Bible. Oui, c'est ça, ouais. Elle veut la récupérer, c'est normal. Oui, elle a raison. Amen, amen. Ok. J'arrive, mon grand, hein? Pas de problème. Ici, voilà. Ça, c'est à qui celle-là? Mais pourquoi vous avez levé la main? D'accord. C'est pas pour... Tu as quel âge? C'est bon, tu peux. Pour les enfants, il y a la prochaine impression, ce sera des petites Bibles. On pourra aussi les donner aux enfants. Mais pour l'instant, on reste... sur les adultes. À partir de 11, 12 ans, c'est bon, pas de problème. Ceux qui ont déjà eu, ne me dites pas, ah c'est pour mon frère, c'est pour mon mari, c'est pour... D'accord?
Ça, on verra après. On veut d'abord que les gens soient, on l'a dit, ceux qui sont présents, s'il vous plaît. Hein? En haut, ceux qui sont en haut, envoyez-nous quelqu'un avec un carton là-haut, s'il vous plaît. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, ton esprit souffle. Surveille moi-même les choses. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Dans la sagesse, la crainte de Dieu. Amen. Ensemble, Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester Chacun aura sa Bible, ne vous inquiétez pas. Ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus et qui veulent recevoir le baptême aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Venez nous voir, on va vous baptiser en haut. Il y a deux piscines en, au-dessus. Là où on fait le baptême maintenant. Là. N'a pas eu cette Bible ici. Tu l'as à mes gros, que Dieu soit béni. Ok. Wow. Qui veut aller au ciel? Un frère qui est venu me voir pour me dire que son frère est ministre au Togo, il veut une Bible pour son frère. Si ton frère est vraiment ministre, pas ex-ministre, mais ministre en ce moment, viens me voir. Si ce n'est pas le cas, ne viens pas. Non, il y a d'autres ministres qui n'ont pas reçu. Il y en a plein de ministres qui doivent être touchés quand même. Alléluia. Vous savez quoi? Je ne citerai pas les noms des ambassadeurs de ce pays, ni leur pays. Mais on m'a dit qu'il y a deux ambassadeurs déjà qui ont eu leur Bible. Et qui sont très très contents. Et l'ambassadeur d'un pays musulman, qui est musulman, a eu sa Bible. Et il a dit à cette sœur qui la lui a offerte, qu'il comptait en acheter une. Et aussi un Coran pour faire la lecture, pour voilà, faire des recherches. Et... c'était avant-hier ou il y a 4 jours quand on m'a appelé. On m'a envoyé un message par un mail. Et ce ministre a déjà lu, donc il y a 4 jours, hein, les 6 premières pages de la Genèse. Il y a vraiment des choses qui se passent.
Qui sent qu'il y a, il y a un mouvement de l'esprit? Oui. Même, oh, alléluia, gloire à Dieu. À Strasbourg, notre sœur Christiane Abbas, qui fait un travail aussi, hein, qui diffuse beaucoup le message, il a lu tout le Tanakh. Déjà, ce SDF a lu tout le Tanakh, frères et sœurs. Vous voyez, il a sa Bible. C'est magnifique, frères et sœurs, magnifique. Magnifique. C'est possible de montrer ça? Voilà Julien. Il a lu tout le Tanakh, mes amis. Il tient sa Bible comme ça, c'est une richesse. Ah, il se passe des choses. Hein. C'est vraiment encourageant. C'est bon? Merci. Waouh. Waouh, waouh. Ton frère est ministre? Béni soit le nom. Y a-t-il un autre frère, sœur de ministre d'un pays qui veut offrir une Bible à sa sœur, à son frère? T'en as reçu une déjà la dernière fois. Vous qui avez reçu la dernière fois pour les autres, faut, ne venez plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on veut des nouveaux visages. Adorant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Jésus-Christ Jésus est Seigneur.
ça ressemble. Alléluia. Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur de gloire. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tous genoux fléchiront devant son trône. Toute langue confessera. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur Dieu, devant ton trône de gloire, nous venons, Papa, pour te dire merci. Pour ce vent de réveil qui a soufflé. Qui souffle. Désormais, tu ne pourras plus te taire. Le vent qui souffle dans ta vie, toi qui es amoureux de la parole, ce vent va commencer à toucher ton entourage de plus en plus. Des groupes de jeunes vont se former alors que personne ne les a rassemblés physiquement, mais Dieu lui-même va les rassembler. Ils vont se retrouver ici et là. Des réunions tout à fait inattendues qui vont se mettre en place. Et ce matin, j'ai eu une vision pendant que je dormais. Un frère est venu me voir pour me dire, viens, dans ta maison, il y a le feu, il y a l'incendie. J'ai couru là-bas, et en fait, ce n'était pas un incendie, c'était le feu du réveil. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, le feu du réveil est là. Le feu du réveil va de plus en plus, mes amis, prendre de l'ampleur dans vos vies, dans vos assemblées, dans vos villes, dans vos pays, dans vos maisons, au nom de Yeshua. Tous vos dons de l'esprit, dons de prière, de guérison, alléluia, alléluia, de prophétie. Tous ces dons de l'esprit, mes amis, vont être complètement activés pour aller annoncer l'évangile de Dieu. Et je vois des groupes qui se tiennent ici et là pour adorer. Je vois des gens qui apprennent à jouer de la guitare, des gens qui jouent au piano dehors. Je vois des jeunes qui sont dans les trains, dans les métros. Leur présence seulement, je vois des policiers être touchés. Je vois, mes amis, ces jeunes en train de distribuer la nourriture aux pauvres. Je vois ces jeunes en train de témoigner l'amour de Dieu partout. Ça va être quelque chose de terrible. Personne ne peut contrôler ce vent de l'esprit. Personne ne peut étouffer ce vent de l'esprit. Personne ne peut l'éteindre. Personne. Je vois des jeunes au collège, au lycée. Je vois ces jeunes qui proclament la parole. Je vois, frères et sœurs, l'évangile qui a annoncé. Et je vois beaucoup de personnes, des inconvertis qui découvrent Dieu. Qui découvre Dieu au travers de vos vies. Et il y a des personnes qui avaient fait de fausses déclarations, qui vont aller même voir la police pour rectifier les choses. Des gens qui étaient, mes amis, complètement courbés, qui sont redressés par le Seigneur pour annoncer l'évangile de paix. Je vois des femmes qui avaient quitté leur mari, qui reviennent vers eux. Je vois des hommes qui avaient quitté leur femme, qui reviennent vers elle. Et je vois des parents, des enfants qui sont restaurés au nom de Yeshua. Alléluia, 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 alléluia. Ce vent nouveau, frère, arrive sur vous. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, il y a quelque chose là. C'est magnifique, c'est glorieux. Le feu du réveil. Ça va? Tu vas bien? Oh, qu'est-ce que se passe? Ça va? Comment? J'ai eu chaud. Tu as eu chaud? Tu as eu peur? Ouais. Oh. Pourquoi tu as eu chaud? La puissance de Dieu. Waouh. Oh, alléluia. Jesus. Oh, alléluia. Le feu de Dieu. Mais ça va pas. Oh. Je l'ai cherché depuis longtemps, tu le cachais. Mais t'es malade ou quoi, toi? Dieu, là, je le cherche. C'est maintenant qu'il vient, ça fait longtemps, il m'a pris là-bas à Pointe-Noire, il m'a ramené jusqu'ici. Hein? Il m'a ramené jusqu'ici, je le cherche. Je veux la vérité, c'est maintenant qu'il réagit. Ah, vraiment, il est dur. Hein? Il est trop dur. Maintenant, là, ça va aller très mal. Très, très mal. Ça va aller très, très mal. Parce que lui, là, je le cherche trop. Pourquoi il me fait souffrir comme ça? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Espérance. Tu aimes Jésus? De tout mon cœur et de toute mon âme, je le cherche. Marie, je le cherche. Tu veux baptiser? Je suis baptisée. Et maintenant, tu veux servir Jésus? Oui, je veux être sa femme.
Si tu aimes Jésus, mets-toi à genoux devant Jésus. Oh, Jesus. Le feu. Le feu du réveil. Il y a le feu ici, là. Il y a le feu ici. Il y a une onction ici, là, mes amis, là. Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh. Le feu du réveil. Oh. Oh. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Oh. Waouh. La nuée de Dieu, la nuée, est en train de se promener dans ce lieu. Il y en a qui reçoivent le baptême de feu. Le baptême de feu. Une nouvelle vie de prière. Tu vas prier plus qu'avant. Tu vas jeûner plus qu'avant. Tu vas évangéliser plus qu'avant. Tu seras comme un bulldozer pour le Seigneur. Ah, alléluia. Un guerrier pour le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh, Jesus. Amène-moi cet enfant-là. Waouh, waouh. Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur, jeune fille. Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Oh, Dieu l'aime. C'est votre fille? Quel âge a-t-elle? 15 ans. 15 ans. Elle va beaucoup chanter pour le Seigneur. Oh, oui, une onction sur elle. Waouh. Dieu la délivre. Au nom de... Qui veut que le Seigneur libère son peuple? Oh. Qui veut expérimenter le feu du réveil? Je commande au cancer ici, là. Je commande à la maladie, cette maladie incurable qui va lâcher ta famille. Je commande ici à la mort de lâcher ta vie, de lâcher ta famille. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Je proclame la vie dans ta famille, la vie dans ton corps, la vie maintenant, ma soeur. Je proclame la vie au nom de Yeshua. La puissance de la mort est brisée au nom de Yeshua. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Lâche-la. Sors. On acclame le Seigneur. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Oh, alléluia. Ceux qui avaient des ceintures pour le dos, là, enlevez-les. Il y a des guérisons, là. Enlevez-les. Enlevez-les. Dès que tu as une guérison, tu lèves ta main. Oh, alléluia. Une onction sur moi, là, pour la guérison, là, au nom de Yeshua. Tu es guéri au nom de Yeshua. Maintenant, le nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Aaron. Il y a beaucoup de jeunes ici, là. La nuée ne va plus vous quitter. La jeunesse. Dieu dit, jeunesse, c'est la génération de Gédéon. Vous êtes debout, debout, debout. Vous allez amener la terreur du Seigneur partout où Dieu vous enverra. La terreur du Seigneur de gloire au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Viens. Ton autorité. Oh Lord, alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Ça va? Dieu t'aime. Dieu t'aime. S'il vous plaît. Il y a une personne enterrée ici que Dieu ressuscite. Tu es enterré, autant enterré là, autant enterré là. Dieu vient te sortir de ce trou. Je parle à cette chose là. Je parle à cette chose qui te surveille. On a envoyé cette chose pour te surveiller. Et tu te sens surveillé, épié. Tu te sens comme si quelque chose marche derrière toi. Quand tu es seul, tu sens cette présence là.
je m'adresse à cette chose. Quitte, on acclame le Seigneur. Amène-moi cette personne au nom de Yeshua. Regarde ton genou gauche. Il n'y a plus cette douleur là. Touche ton genou. La douleur est partie. Voilà. Lève ta main. Cette guérison. Tu l'as reçue là? Tu l'as guérison? Elle n'est plus là, la douleur? Viens, on acclame le Seigneur. Vous qui avez été guéri du genou gauche, venez. Venez, on acclame le Seigneur de gloire. Il y a une onction de miracle, c'est de guérison. Venez. On acclame Jésus encore, mes amis. Oh Jesus. Magnifique, magnifique. Depuis quand tu avais cette douleur là? Ça faisait au moins 3 ans. Là, ça fait au moins bien 4 mois que je marche avec la béquille. Et là, tu n'as plus de béquille, là c'est bon. Eh bien, tu peux marcher maintenant. Tu laisses ta béquille là-bas. Gloire à Dieu. Magnifique, magnifique. Là, c'est quoi? Depuis combien de temps? Terminé. Depuis quand tu avais cette douleur? Depuis je suis jeune et que j'ai fait. Là, tu n'as plus de douleur. Plus rien. Eh bien, vas-y, marche, marche. On a Yeshua. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Depuis combien de temps? Ça fait un an. Ça, un an. Et là, tu n'as plus mal là. Ouais. Eh bien, marche, marche, montre-nous là. On acclame le. Oh, magnifique. 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 Le Seigneur est magnifique. Reçois de moi le parfum. Oh! Lâche-la au nom de Yeshua. Sors d'elle. Là, ici, là. Ici. Sciatique, sciatique, ici, là. Sciatique. Sciatique, là, tout ça, là. Oh, le nerf, là, tout ça, tout tiré. L'onction de guérison arrive sur toi, là. Fais des gestes que tu ne pouvais plus faire. Regarde, la douleur est partie au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, alléluia. Gloire à Dieu. Tu lèves ta main pour donner gloire à Dieu. Dieu travaille, Dieu guérit, Dieu guérit, Dieu guérit, Dieu guérit, Dieu guérit, Dieu guérit. Dieu guérit. On acclame Jésus de Nazareth. Il guérit. Alléluia. Tiens, ton voisin, Jésus est trop fort. Waouh. Il est trop fort, Jésus de Nazareth. Oh, j'aime cette présence là. Quand elle vient sur moi comme ça, il y a des guérisons qui s'opèrent là, là. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Venez, vous qui avez été guéris du sciatique, tout ça, le dos là, tout ça là, au nom de Yeshua. On acclame Jésus pour elle. On acclame Jésus de Nazareth. Waouh! Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh Jesus. C'est bon, depuis combien de temps tu souffres de ça? Ça fait presque bientôt 2 ans. 2 ans. J'ai une hernie discale. Hernie discale, c'est fini. Le disque, tout ça là, c'est réglé. Tu peux rentrer maintenant, c'est bon. Oh. Waouh. Je loue ton nom éternel. C'est magnifique ce que Dieu fait là. C'est magnifique ce que Dieu fait. C'est magnifique ce que Dieu fait là. Oh alléluia. Oh alléluia. Mes deux bras. Viens, viens. On acclame le Seigneur. Magnifique, magnifique, magnifique. Écoute, quelqu'un ici, l'oreille droite, Dieu la débouche. Dieu la débouche, l'oreille droite. Lève ta main là. Pendant que je parle, l'onction de Dieu vient et débouche. Vient déboucher cette oreille là. C'est toi là-bas? C'est toi? C'est qui l'oreille droite là? C'est toi? Elle est débouchée là? Jesus, viens, 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 viens. On acclame le Seigneur. Moi. Depuis quand tu souffres de ça? Ça va faire peut-être 3 à 4 mois. 3-4 mois, là ça va mieux là. Ah ben gloire à Dieu, tu peux aller t'asseoir. Magnifique, magnifique. Magnifique, le Seigneur est magnifique. Oh, vous pensez que le Seigneur peut... Qui croit que le Seigneur est capable? Jesus. Oh, il y a quelque chose sur elle là. Oh, alléluia. Jesus. Jesus. Voilà. Mm-hmm. Oh, alléluia, 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 alléluia. Quelqu'un ici l'a fait de crise d'épilepsie, la crise d'épilepsie. De crise d'épilepsie. Le Seigneur te libère de ce fardeau, de ce lourd fardeau. Au nom de Yeshua. Dieu te guérit au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Vous avez vu la dernière fois, le Seigneur a guéri cette sœur qui souffrait de cette maladie depuis 30 ans. Le Seigneur l'a complètement guéri au nom de Yeshua. Toutes les femmes stériles, levez les mains. Vous voulez des enfants? Celles qui sont mariées, bien sûr. Levez vos mains. Ton nom est comme du miel. Oh! Ton esprit comme de l'eau sur mon âme.
Ta parole est une lampe, Seigneur. Oh Jésus. Jésus, je t'aime. Aime-le, 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 aime-le. Il y a des femmes comme Elisabeth ici. Elisabeth, Dieu t'appelle Elisabeth. Dieu t'appelle Elisabeth. Cet enfant s'appellera Jean. Oh alléluia. Cet enfant s'appellera Jean. Alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Voici la main de Dieu sur toi. La promesse de Dieu au nom de Yeshua. C'est possible, te dit le Seigneur. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Courez ici, mes soeurs. Courez ici. Courez. Courez ici. Courez ici. Courez ici. Aidez-les. 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 Soyez. Aidez-les. Vite, 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 mes amis, s'il vous plaît. Aidez-la. 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 Aidez-les. Oh, aidez-la. Aidez-les derrière, s'il vous plaît. Aidez-les. Une onction sur moi. Aidez-les. Aidez-les. Une onction ici, là. Aidez-les. Aidez-les. Jésus, je t'aime. Aidez-les. Aidez-les. Oh. Voici. Aidez-la. Il y a une forte onction sur moi. Aidez-la. Oh, Jesus. Oh, aidez-la. Oh, Dieu de gloire. Aidez-la. Aidez-la. Oh, Jesus. Il y en a qui vont avoir des jumeaux ici là. Ah oui, je vous dis au nom de Yeshua. Aidez-la. 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 Oh. Aidez-les. On acclame Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Waouh. Le réveil arrive dans la famille au nom de Yeshua. Dans la famille au nom de Yeshua. Oh. Allez acheter encore des berceaux. Au nom de Dieu. Allez acheter des berceaux. Oh, allez acheter des berceaux. Aidez-la. Oh, alléluia. 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 Oh, aidez-la. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Magnifique, magnifique, magnifique. Je prie que la prochaine réunion qu'on aura, vous allez, que le Seigneur vous fasse grâce afin de présenter, n'est-ce pas? Alléluia. Ces enfants-là au Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh. Oh. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Aidez-la. Oh, alléluia. C'est bon. C'est bon. Oh, alléluia. Oh. Oh, alléluia. Waouh. 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 Aidez-la. Aidez-la. Waouh. Waouh. Oh, Lord. Aidez-la. Waouh. Oh Jesus. Tu vois? Tu veux quelle fille, quel enfant, fille, garçon là? Des jumeaux. Oh alléluia. Aidez-la. Waouh. Elle veut des jumeaux. Oh frère Pierre, lève-toi, 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 lève-toi. Oh frère, Dieu te donne la force encore. Oh Yeshua. Oh on a Yeshua. La force encore. Oh, Yeshua, frère. Oh la Guadeloupe, là, on a Yeshua. Alléluia. Alléluia. Jesus. Oh alléluia. Jesus. Amenez-les, 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 venez, venez, venez. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ton nom est oh. Comme du miel. Waouh, waouh. Donne-moi ta main. Ton esprit. Dieu te restaure, femme. Il te restaure. Oh Jésus, aidez-la, aidez-la, aidez-la. Jésus, je t'aime. Oh, Dieu les délivre, les délivre, les délivre, les délivre, les délivre, les délivre. Waouh. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci. N-T-L-A. 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 On a dit Yeshua. C'est le nom que Dieu m'a donné là.
mon truc. Ah. Jesus. T'es là? On a enlevé son utérus. T'es là? Y a-t-il un t'es là ici là? Ouais. On est ici dans la salle, non? Adonai, son nom. On lui a enlevé son utérus là. Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut? Qui croit que c'est possible? Oh, c'est possible. Il y a un homme, un tel là que Dieu appelle, un tel là que Dieu appelle là, tout ça là. Il est temps pour cet homme de répondre à l'appel du Seigneur au nom de Yeshua. Mm-hmm. Lève-toi ma soeur, lève-toi. Tu sais, Dieu est capable de te donner cet organe là. Hein? Tu es marié? Oh. Hein? Tu viens de l'île Maurice. Ah. Seigneur, accorde-lui ta grâce. Tu es capable de la restaurer. Opère un signe en sa faveur. Au nom de Yeshua. Merci, Père. Tu peux rentrer dans la paix du Seigneur. C'est qui avait dit sur son cousin, c'est toi? Il a reçu une Bible? Il est où? Ok. Donne-moi une Bible pour eux. Il est chrétien. Donne-moi une Bible pour eux. Dis-lui de sortir de la distraction. Il y a un appel très puissant sur sa vie. Il va crier comme moi là. Il va crier. On m'a dit Yeshua. Oui. Parce que moi, je ne peux pas prendre la Bible parce que moi, j'obéis à Dieu. Je ne peux pas prendre deux Bibles et dire que j'ai reçu une. Mais l'Esprit m'a parlé parce que j'ai un fils pasteur. Il a laissé complètement l'Église. Il a vu des choses peut-être que, je ne sais pas, que nous n'avons pas vues. Mais depuis lors, il ne va plus à l'Église. Il n'a pas laissé Dieu parce que je lui ai dit, pourquoi tu ne vas pas? Tu veux une Bible pour lui? Une Bible, et que tu bénis cette Bible, et que tu notes quelque chose dessus. C'est ce que l'Esprit me demande. Il est où là, Martinique? Non, il est ici avec moi. Ok. Et c'est lui qui a fait connaître Dieu à toute ma famille. Il ne peut pas nous laisser avec lui et partir. Bien, viens. Voilà la prière d'une mère pour son fils. Donne-moi une Bible pour eux, s'il vous plaît. Donnez-moi. Merci, Julia. C'est la parole de Dieu. C'est bon. Tu lui donnes ça de notre part, de la part de Jésus-Christ. Et il va servir le Seigneur. Amen. Il servait déjà Dieu. Il va resservir encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon courage. Merci, Seigneur. Alors, je voudrais dire une chose rapidement. Vous savez, quand il y a un réveil, quand il y a un mouvement de l'esprit, on peut chanter dans toutes les langues. Ne vous sentez pas exclu. Si vous avez un cantique en créole, en arabe, en chinois, voyez, on veut laisser vraiment toutes les personnes s'exprimer. Hein, donc comme dans Acte 2. Amen. Donc voilà, c'est cette liberté que nous avons. Et nous avons aussi la grâce d'être dans un pays où il y a aussi beaucoup de nations. Et c'est une richesse. Amen. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que vous savez, plus Dieu agit comme ça, plus nous devons bénir les autorités. La Bible le dit. D'accord?
Et nous voulons, est-ce que vous voulez qu'on prie pour le président François Hollande? Est-ce que vous voulez qu'on prie pour le Premier ministre? Est-ce que vous voulez qu'on prie pour tous les ministres? Que nous prions pour tous les préfets, pour les gendarmes, les policiers, que nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez qu'on bénisse la France? Comment? Là? Le surnom? Les surveillants de prison. Les surveillants de prison. Ah, merci, merci frère. Amen. Amen. Tu travailles à la prison? Dans une prison? Tu es officier, donc que Dieu soit béni. Donc on va prier aussi pour les présidents de prison, des prisons qui font un travail qui n'est pas facile, bien sûr, très dur. Et prier pour les pompiers, pour les policiers, toutes les autorités. Nous, chrétiens, nous avons le droit, nous avons reçu de la part du Seigneur le mandat de bénir les pays, les autorités, n'est-ce pas, des pays où nous sommes. C'est ça aussi être chrétien. Amen. Bénir, prier pour les maires. Pour les journalistes qui ont parfois souvent un langage défaitiste. Il faut prier pour eux, pour qu'ils changent de langage. Amen. Pour les journalistes aussi, amen, gloire à Dieu. Et prier pour bénir tout ce monde au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous voulez qu'on se lève tous ensemble pour prier pour la France, pour les autorités, s'il vous plaît? Et j'invite mon frère Pancien et parce que les frères et sœurs de Saville le Temple, Melun et de 77 étaient touchés par le Seigneur et c'est grâce à eux, Dieu leur a fait cette grâce de pouvoir organiser cette réunion. Ils se sont dit, comme il y a le programme du 19 décembre, nous voulons profiter de tous ces frères et sœurs qui sont venus, qui viendront du monde entier pour avoir aussi un temps de prière, de partage ensemble. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Ne partez pas s'il vous plaît, bénir le Seigneur ensemble avec eux. Et en même temps, profiter pour bénir l'Europe, bénir la France, bénir les Français. Et bénir aussi les nations en même temps. Je suis vraiment dans la joie de voir des visages que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ça fait plaisir, c'est très encourageant de voir l'œuvre que le Seigneur accomplit au milieu de son peuple. Est-ce qu'on peut prier pour la France? Père, au nom de Yeshua, nous prions pour le président, nous prions pour tous les ministres, nous bénissons toutes les personnes qui sont élevées en dignité, conformément à l'évangile dans 1 Timothée chapitre 2 où il est écrit que nous devons prier pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Ta parole nous demande de respecter les autorités, d'honorer les autorités et nous voulons Seigneur prier pour elles au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier Seigneur pour tous les gendarmes, les policiers qui font un travail difficile. Donne-leur l'intelligence et la sagesse. Seigneur, nous prions pour les préfets. Nous prions pour toutes les personnes qui, mes amis, Seigneur, sont élevées pour élever en dignité, pour prendre des décisions. Donne-leur l'intelligence et la sagesse. Donne-leur à être intègres afin de mener correctement cette mission que tu leur as confiée parce que ta parole nous dit que ces hommes et ces femmes sont tes serviteurs selon Romains chapitre 11. Nous voulons bénir aussi tous les pasteurs. Bénissons tous les pasteurs. Prions pour ces pasteurs, ces dirigeants. Que Dieu leur accorde la sagesse. Que Dieu aide certains d'entre eux qui s'égarent. Que Dieu leur ouvre les yeux afin qu'ils annoncent la repentance, le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Prions afin que l'ennemi de nos âmes soit loin de nos vies, loin de la vie de ces hommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père au nom de Yeshua, Père au nom de Jésus-Christ, Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous ta grâce.
les frères et sœurs de l'assemblée de Damaris, c'est ça? Hein? Est-ce que vous pouvez venir ici? Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous parce que c'est vous qui nous avez invités. Même si on ne vous a pas touché, le Seigneur vous a touché. Amen. Il y a des frères qui sont venus du Canada, mon frère. C'est lui, ça. Ok, du Canada, soit encouragé. Il y en a qui sont venus d'Allemagne, de plusieurs nations. Plusieurs nations, on ne pourra pas tous vous présenter. Mais nous sommes vraiment, vraiment touchés par votre amour. Nous réalisons de plus en plus que nous sommes une grande famille. La Suède, l'Allemagne, que Dieu soit béni. Nous voulons dire merci au Seigneur et merci à vous tous pour votre mobilisation. Et est-ce que vous avez un mot à dire aux frères et sœurs? Bonsoir à tous. En tout cas, nous sommes vraiment très contents de ce que le Seigneur fait. D'ailleurs, je parle au nom de tous les frères et sœurs. Et vraiment, merci d'avoir répondu déjà à l'invitation. Pour ceux qui sont déplacés de loin, merci à toute l'équipe de chantre, les musiciens, le protocole, la sécurité. Parce que c'est vrai que ce n'est pas des journées faciles, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et en tout cas, on tient vraiment à glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce qu'on sait que le feu a commencé à Savigny le Temple. On sait que le feu a commencé dans le 77. Et on a voulu saisir justement cette occasion. Parce qu'on voit le vent de l'esprit qui est en train de souffler ici et là. Et on s'est dit, nous aussi nous voulons que le Seigneur nous visite. Nous aussi nous voulons que le Seigneur accomplisse de grandes choses avec nous. Et voilà pourquoi on a eu à cœur, le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser ce programme. Avec tous les frères et sœurs de l'Assemblée qui sont ici présents. On s'est mobilisés. Et puis le Seigneur nous a soutenus, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de tout. Le Seigneur a été plus que parfait. Donc en tout cas, je ne sais pas si peut-être... Amen, que Dieu soit béni. Je pense que tout le monde a été encouragé en tout cas ce soir. Et ce n'est pas terminé certainement. Et juste un petit mot, moi tout simplement ce que j'aimerais dire c'est... Avec tout ce qu'on a reçu, en tout cas aujourd'hui encore, et la pensée qu'on a reçue, c'est saisissons notre temps. Vraiment, c'est la pensée qui monte dans mon cœur, vraiment. Saisissons notre temps. Parce que lorsqu'on voit des actions comme ça, des choses comme ça, on se dit vraiment que le Seigneur n'est vraiment pas loin. Alors vraiment, faisons garde et prenons garde à notre marche, parce que le Seigneur n'est vraiment pas loin. Saisissons notre temps et arrêtons de passer par des blablas, des ceci, des cela. Reconnaissons ce que le Seigneur est en train de faire. Ce n'est pas un homme qui peut attirer tout ça. C'est vraiment Jésus. Amen. Donc, prions pour ce message. Prions pour les missionnaires que Dieu a suscités dans ces temps de la fin. Et accrochons-nous tous ensemble. Et je crois et je pense que nous croyons tous que le Seigneur va de plus en plus se manifester, notamment dans la France. Alors, saisissons ce temps de réveil. Et c'est très certainement, même je le crois très fortement, le dernier réveil. Donc, saisissons notre temps. S'il vous plaît, bien-aimés. Amen. On va prier pour eux. Prions pour eux. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu leur accordes. Merci pour l'autorité que tu leur donnes. Un réveil va souffler dans cette assemblée. Beaucoup de jeunes seront visités. Beaucoup de jeunes seront visités. Je vois des jeunes qui vont dans les gares, qui vont témoigner l'amour de Dieu au nom de Yeshua. Alléluia, je vois des dons de guérison, de délivrance que Dieu va déverser de plus en plus. Prenez l'enfant s'il vous plaît. Il y a une nouvelle onction qui vient sur vous. Dieu brise la puissance de la sorcellerie dans la... Au nom de Yeshua, une autorité, un bâton de commandement que Dieu donne. Dieu vous donne le 77, au nom de Yeshua. Oh Alléluia, oh Alléluia, le 77. Beaucoup de jeunes seront délivrés. Il y a une nuée qui touche ce département. Oh, alléluia. Une nuée de Dieu qui touche ce département au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Je vois des bâtons de commandement. De nouveaux vêtements au nom de Yeshua. Une autorité nouvelle. Levez nos mains. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble, frères et sœurs. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Père, merci. De don de parler en langue, don de prophétie,
sont accordées en même temps ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Louons le Seigneur tous ensemble, frères et sœurs. Alléluia, merci. Louons Dieu tous ensemble. Amen. Louons le Seigneur, louons-le. Le 4, nous sommes à Lyon. Le 11, nous sommes à Nantes. Le 17 et le 18, nous sommes en Irlande. Et au mois de mars, nous sommes à Bonn, en Allemagne. Le 14, nous sommes à Bonn. Et le 29 mars, nous sommes à Berlin. Au nom de Yeshua. Alléluia. Waouh. Tenons-nous par les mains, frères et sœurs. Et louons le Seigneur tous ensemble. Amen. Gloire à Dieu. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah.